Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août. Nous ne sommes que le... Je sais même pas quelle date on est, tellement je suis paumée. Le 11 août, mais c'est déjà la catastrophe. Mais bon, c'était prévu, je vous avais prévenu. Ma soeur venait me voir pendant nos vacances, donc... Elle est venue pendant une semaine et demie, et ça a été une semaine et demie craquage, déjà qu'elle m'a rapporté pas mal de livres. Et je lui en ai pas mal aussi. Mais là, c'est juste pas possible. Je pense que voilà, je vais la couper en deux parties parce que... Mais là, j'achète plus. De toute manière, c'est dans mon banc. Qu'est-ce que c'est ? Non. T'as de la chance, c'est pas toi, c'est Donc voilà, elle est venue pendant une semaine et demie. Je te fais plein de bisous, tu m'en as déjà très 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 beaucoup, tu sais. Mais bon, c'est comme ça, trop de distance. C'était pas vu depuis 7 ans en même temps. Et enfin voilà, là je sais pas trop. Parce que bon, avec le petit, c'est pas facile pour se déplacer maintenant. Surtout plus de 500 km. Vous avez le bonjour de Bella. Hein. Bella qui n'a pas fait son insociable quand ils étaient là, ça m'a vraiment surpris. Hein. Donc les accepter, c'est cool. Hein. On ma puce. Oh, c'est bien. Hein. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Non, j'en ai rien à foutre de vous. J'en ai rien à foutre. Vous me donnez pas à manger. Je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc il y a du neuf, il y a de l'occasion. Enfin voilà, on a essayé de faire beaucoup de boutiques d'occasion pendant qu'elle était ici, mais voilà, ils ont tous décidé de prendre leurs vacances en même temps, quoi. Voilà, donc on était très 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 frustrés. Du coup, il va falloir que j'essaye d'aller voir comme dans ces boutiques d'ici les mois à venir, hein, une fois qu'ils seront revenus de vacances, mais bon, la plupart, elles ouvrent que l'après-midi, donc j'ai pas d'après-midi libre à part le lundi, et je suis pas sûre qu'elles ouvrent toutes le lundi. Voilà. Donc je vais commencer d'abord par la dernière boutique qu'on a faite. Il y a une petite boutique de manga et de bande dessinée d'occasion donc dans Amiens. Ça s'appelle Stockambule si je ne m'abuse. Merci les voisins. Toujours dans la discrétion quand ils ferment leur porte. Je ne sais pas combien de tours elle va faire. Donc c'est une boutique qui ouvre que 3 jours par semaine et enfin voilà, si jamais je vais y aller, je pourrais pas. Enfin Doudou va essayer d'y aller pendant ses vacances, je pense. Parce que bon, c'est un peu plus pour lui quand même, tout ce qui est bande dessinée et manga, c'est un petit peu plus pour lui ce que j'ai pris. Je vais vous montrer ça et il a déjà enlevé les prix qui étaient dessus, mais je pense que je me souviens de toute façon. Donc j'ai pris le tome 6 des nains. Il y avait aussi le tome 1, mais je l'ai déjà, c'est les seuls tomes qui étaient disponibles, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est Jorun de la Forge, je pense que ça se dit comme ça, donc il est en excellent état, trop bien, donc je l'ai eu à 5 euros, non 10, je dis pas de bêtises, je l'ai eu à 10 euros, 5 euros ça aurait été vraiment trop, hein, mais non, je l'ai eu à 10 euros au lieu de, je crois que c'est 15, 14,95 ou 15 euros ceci, donc voilà, je l'ai vu à 10 euros et bah, il en est à 9, hein. Clairement pour moi il est 9 et c'est trop cool, donc c'est pour ça je vais essayer de surveiller un petit peu voilà, voir avec lui sur Facebook ses arrivages pour pouvoir en avoir les prochains aussi d'occasion, ça serait cool, je nous ferai des petites économies. Voilà, et là du coup je sais pas où je vais le poser parce que bah, tout le côté là c'est des bouquins quoi. Ça monte jusque là. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je lui ai pris donc Arrow. Donc chez. Ah, oui, je vous ai pas dit le premier, c'était chez Soleil. J'ai vraiment du mal, faut que je me remette. Donc celui-ci c'est chez DC Comics, donc c'est le volume 1 de Arrow, donc de Mike Grell et Phil Esther. Donc Doudou a commencé à le lire et il me dit que c'est exactement, enfin c'est la série quoi, donc ça lui plaît sans plus. Celui-ci je l'ai eu à 6 euros et pareil, il est en super bon état, donc il va le finir et on va voir, si jamais ça lui plaît pas, ben, on continuera pas et je rendrai celui-ci. Donc voilà, mais
contente, ça lui permet voilà, de les avoir moins chers et tester ici. Parce que moi, il ne sait jamais trop quoi commencer comme, comme sa série. Et là, je ne savais pas trop quoi lui prendre, parce que je ne sais pas trop où il en est dans ses Star Wars, Merlin ou autres. Donc, c'était pas évident. Mais il y en a tellement que. Voilà. Donc il ira tout seul, il verra, il prendra ce qu'il aura besoin. Et je voulais pas repartir sans, parce que ce que je lui ai pris, il pouvait pas les lire directement, parce que c'est des suites, on n'a pas directement où on en est. Donc voilà. Ensuite, je lui ai pris des mangas Bleach, donc du 68 au 70. Mais lui, il lui fallait le 60. Voilà, il n'y avait pas. Donc voilà, c'était voilà, ils sont en état neuf, hein. Franchement ils sont neufs. Je les ai eus à 5 euros pièce. Voilà. Donc Doudou est content, et là il s'en est recommandé sur Price, mais il manque toujours le 60. Voilà pour ça. Ensuite, je sais plus trop si ça suit. Ça c'est des livres que ma soeur m'a rapporté, qu'elle a trouvé dans les Emmaüs près de chez elle, et ou qu'elle avait dans sa bibliothèque et qu'elle a lu, et voilà. Donc celui-ci, elle l'a trouvé à Emmaüs, elle a trouvé de la chatte, franchement, de ouf. Donc Maybe Someday, je l'ai enfin papier, voilà. Donc pourquoi pas le relire encore une fois, hein. Ça sera la quatrième, je crois. Mais je suis très très contente de l'avoir enfin en ma possession. Yeah. Qui vient de chez Emmaüs. Donc franchement, elle a vraiment eu vraiment de la chance de le trouver chez Emmaüs, je trouve. Enfin, je pense. Donc super contente. Ensuite, elle m'a donné un risque. Je vous ai même pas dit que c'était du Colleen Hoover chez Hugo Roman. Enfin voilà, vous le savez. Hein, depuis le temps que je vous bassine avec. Donc risque donc de Fleur Ferris aux éditions Hugo Roman Collection New Way. Et voilà, il était dans ma palle et je pensais qu'il était beaucoup plus gros que ça, donc ça devrait se lire rapidement, en plus c'est écrit gros, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Mais j'ai très envie de lire papier en ce moment, et bien que je sois en vacances, j'ai pas lu plus que ça, bah, clairement il était là pendant une semaine et demie, j'étais canée le soir, clairement j'étais crevée vu que Bibou... ne fait plus ses nuits, là, je sais pas ce qu'il nous fait, il se réveille à 2h, 2h30. Puis jusqu'à 4h, il fout le brin, donc c'est un petit peu, ça pique un peu les yeux en ce moment. Il a dû faire peut-être 2-3 fois ses nuits pendant qu'elle était là, et encore. Et là, ça fait du... ça repartit, je sais pas pourquoi. Enfin bon. Elle m'a aussi apporté Sing de Vivi Green, toujours chez Hugo Roman édition... Non, édition Hugo Roman collection New Way. Ah, je suis désolée, mais oui, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc forcément, il va y avoir des petits bugs. Hein. Donc voilà. Celui-ci aussi était dans ma Wish. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était dans ma palle. Mais il me semble que je l'ai en e-book aussi. Mais celui-ci, non, je l'ai pas dans ma liseuse, mais il était dans ma Wish, donc super cool. Je vais faire des petits tas pour éviter que ça tombe, ça serait cool. Ensuite, j'ai trouvé à mon Emmaüs. Oui, à mon Emmaüs, j'ai trouvé Madagascar de DreamWorks. Donc voilà, je continue à lui amasser quelques petits dessins animés. Et j'ai trouvé là-haut, donc de Disney Pixar. Madagascar, je l'ai vu, mais là-haut, non, on l'a jamais vu. Donc on pourra en profiter pour le voir nous aussi. Voilà. Ensuite, à Emmaüs, Albert. C'est la première fois que j'y allais. Et voilà, j'avais pas trop regardé ce qu'il y avait Emmaüs que j'avais autour de chez moi. Et Albert n'est qu'à 45 minutes, on va dire. Donc... je me suis dit, je vais profiter que ma soeur est là pour y aller. De toute manière, je peux pas y aller quand je travaille, étant donné que ça ouvre qu'à 14h et que j'ai pas d'après-midi. C'est comme le mien, hein, je suis obligée d'y aller quand je reste au boulot midi. Donc, on a trouvé quand même pas mal de trucs intéressants, c'était cool. Franchement, c'était cool.
Donc j'ai trouvé deux tomes de la saga La peau des rêves, donc de Charlotte Bousquet. Donc j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3. Voilà. J'ai plus qu'à me procurer le tome 1. Ah, punaise. C'est des livres qui viennent de chez Nozan. Donc ils étaient à 1,50€ chez nous. Je pense que je les ai eu un petit peu plus cher. Je sais pas si je les ai pas eu à 2€. Enfin bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. C'est pour Emmaüs. Donc voilà. Et j'adore les couvres. Celle-ci est un peu plus abîmée, mais enfin, je sais pas si vous voyez la pliure. Mais elles sont très très jolies. Il y en a une en brillance et il y en a une, elle est en soft touch. C'est bizarre pourtant. Ils sont les deux de la même édition. Donc c'est édition Galapagos. Je connaissais pas du tout. Donc voilà, plus qu'à procurer le premier tome et je pourrais débuter cette nouvelle saga. Ensuite, j'ai trouvé Marina de Carlos Ruiz Zafón. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'en ai jamais entendu parler et c'est pas trop mal noté sur Livre Addict, donc voilà, j'ai pris. Je vais faire une pile là. Ensuite, j'ai trouvé. Oh, faut pas que ça tombe. Une épreuve non corrigée de Endgames. Donc, L'appel de James Frey et Nils Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Donc voilà. Une édition non corrigée et à mon avis elle n'a pas été lue parce que voilà il est à 9,99€. Alors, franchement donc ouais je l'ai lu, je me fais non non c'est écrit gros mais bon encore une nouvelle saga, plus qu'à trouver la suite en occasion. Voilà, ensuite ça je l'ai trouvé dans mon Emmaüs, oui. Donc j'ai trouvé Te revoir un jour, donc de Sarah Dessen, voilà, aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'ai trouvé un autre livre, mais c'est des one-shot, hein, de la même auteure, donc En route pour l'avenir. Donc voilà. Je pense que c'est un peu chiclite. Donc toujours chez Pocket Jeunesse, ça devrait se lire relativement facilement. Celui-là est un peu plus morflé que l'autre. Mais enfin, voilà. J'aime bien en avoir dans ma bibliothèque, je sais pas pourquoi. Des petits trucs comme ça. Je sens que j'ai l'impression que c'est feel good et tout. Donc c'est pas pour autant que je les lis. Hein. C'est. Mais si, il va falloir. Mais voilà. Donc voilà pour ceci. Je vais peut-être attaquer l'autre pile parce qu'elle commence à pencher. Du coup, j'ai vidé un petit peu l'autre. Celui-ci, Sœurette me l'a offert en arrivant. Voilà. Donc, The Curse, donc de Marie Rutkowski, aux éditions Lumen. Il est juste magnifique. J'arrêtais pas de le tripoter relativement souvent. Dès que j'allais en librairie, je le tripotais, hein. Voilà. Donc, je suis super contente de l'avoir enfin. Et il me fait tellement, tellement envie, mais bon, on en a d'autres à lire avant. Oui, je dis on parce qu'on a pas mal de lectures communes en prévision là. Et il est trop 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 beau. Donc encore merci, 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 merci. Il est trop beau! Et surtout qu'il y a le tome 2 là qui va pas tarder à sortir. Bon, encore une nouvelle saga? Hein? Sinon, moi, je me suis offert Levana donc aux éditions Pocket Jeunesse, donc des chroniques lunaires. Donc c'est un hors-série celui-là, c'est le préquel, voilà, c'est le préquel. Donc c'est celui-ci qu'on va se lire très rapidement. Bon, je pense, ouais, mais elle a déjà fini son livre que moi je l'ai pas fini encore. Mais on va pas tarder. Promis, promis, promis. Celui-ci, on va se le faire. Mais bon, est-ce que je vais lire papier ou est-ce que je vais lire liseuse? J'ai trop peur de les abîmer, ils sont tellement tellement beaux. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Mais bon, ça c'était un achat prévu. Hein. Voilà. Et j'ai craqué pour celui-ci aussi, forcément.
Parce que bon, je pense pas on va peut-être pas les enchaîner, mais ils vont être lus rapidement. Voilà. Donc j'ai pris Winter, donc de Marissa Meyer, Les Chroniques Lunaires, le dernier tome et Le Pavé. Voilà. Mais pareil, celui-ci, je sais pas si je le lirai papier, je vais avoir trop peur de l'abîmer. Il est juste magnifique. Enfin, il est trop beau. Donc ça y est, j'ai la saga complète dans ma bibliothèque. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais j'aime beaucoup la nouvelle couverture de Cinder. Donc je vais être tentée de me le prendre quand même, je pense, mais faut pas. Parce que moi j'ai l'ancienne. Mais c'est vrai que la nouvelle couverture est magnifique aussi. Mais voilà, ils sont juste magnifiques et c'est une tellement bonne saga que voilà. Donc celle-ci bientôt finie, vous voyez, j'ai plus de 2 tomes à lire. Ensuite, je me suis procuré Red Rising. Donc là, c'était l'offre coup de cœur, donc à 7,95€. Je sais plus où je l'ai pris. Je crois que c'est à Leclerc. Je l'ai lu à 7,56€. Voilà, je me prendrai les suivants chez France Loisirs. Je pense. Il y aura juste le H qui sera pas dessus, hein, c'est pas grave. Mais voilà, pour avoir un bon prix dessus. Je pense que je vais les prendre à France Loisirs. Et encore une nouvelle saga qui me fait très très envie. Ça craint, ça craint, ça craint. J'ai quasiment que des sagas. J'ai combien de one-shot là? J'en ai 2, 3, 4, 5. Ouais. Faut que j'essaye de. Donc là, je suis déjà à 17 minutes. Voilà, donc je pense que je vais clôturer cette première partie ici. Hein, parce que ça va faire beaucoup trop long. Hein. J'en ai encore. Je n'ose même pas les compter, mais j'en ai encore pas mal à vous présenter. Donc je vais faire ça dans une seconde partie. Pour pas trop vous saouler. Donc voilà pour la première partie de mon book haul du mois d'août. Dites-moi en commentaire si il y a certaines sagas que vous avez lues, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse très 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 fortement. Comme ça, je saurai lesquelles sortir en premier. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis bah, donc à dimanche pour la suite. Je pense que je mettrai la suite directement le dimanche d'après. Donc bye bye! Par contre, tu nous en donnes.